De retour. Ah, j'ai fait une petite erreur. Alors attendez, je vais corriger. Vous la voyez, elle est avec nous pour nous parler d'un événement aussi qui est très important. Alors je vais profiter parce que je n'ai pas rentré. C'est Émilie, présidente de l'association Goose Gazelle, si je ne me trompe pas et si je prononce bien. Je vais juste modifier. Gazelle. Ouais, alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand même, hein, ces petits noms-là comme ça. Et d'ailleurs, pourquoi ça s'appelle comme ça, l'association? Que du coup, c'est une association créée avec ma cousine pour participer au rallye Aïcha des gazelles. Et les participantes, on appelle ça des gazelles. Donc, comme on est des cousines, on a fait Cous Gazelle. Cous Gazelle, et ben voilà, c'est tout un programme qu'on sait. Voilà, le nom, il est bien, comme ça vous les voyez. Alors, on va parler de cet événement. C'est le samedi 28 septembre, la Ferrade. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une Ferrade, quelques explications. Alors, c'est dans une manade, c'est une manade qui présente du coup ben, tout son bétail, tout ce qu'elle fait. Et en même temps, il y a une démonstration du coup comment attraper un veau. Et il y a le marquage où le fait est pour le veau. Voilà, parce que chaque bête doit porter la marque de la manade. Voilà, c'est une identification comme nous, on a une pièce d'identité. Donc voilà. C'est une manade spécifique ou pas? Non, c'est la manade de Franquevaux où du coup les habitués de la région, elle est quand même assez connue cette manade. D'accord. C'est situé où exactement, si les gens y veulent venir un petit peu? Parce que là, on est Alors, vraiment dans la culture camarguaise. c'est ça. Donc Franquevaux, ça se situe entre Vauvert et Saint-Gilles. Dans le Gard. Dans le Gard, bien sûr. Voilà, j'aime bien dans cette expression dans le Gard. Voilà, ça c'est bien. Alors, si les gens ils veulent venir, bien sûr, ils vont assister à un événement authentique et traditionnel, bien sûr, de la culture camarguaise. L'objectif principal de ça, puisqu'il y a aussi, il y a buvette sur place, il y a aussi repas, bien sûr, sur réservation, on s'en doute aussi. Il va y avoir aussi peut-être et certainement une demande de participation. Tu vas nous expliquer tout ça. L'objectif principal de cet événement, c'est quoi exactement? Alors, l'objectif principal, c'est de nous faire connaître. Avec ma cousine, on va participer. On est préinscrite pour le rallye Aïcha des Gazelles pour 2025, qui se déroule du 11 avril au 26 avril 2025 dans le Maroc. C'est un rallye 100% féminin, navigation à l'ancienne, donc boussole et carte uniquement, sans GPS. Et donc, du coup, pour financer ce projet, ben, on organise des événements, on cherche des sponsors. Donc, ça permet aussi de pouvoir rencontrer des futurs sponsors. Il y aura des sponsors présents ce jour-là. Il va y avoir, du coup, une présentation bon, par la manade. Ensuite, il y a la buvette avec une ambiance musicale. Il va y avoir une démonstration, de flamenco. Il y a une aire de jeu pour les enfants et il y a des surprises. Il y a une tombola aussi. Et voilà, il y a des surprises. On aime bien ce petit mot magique, les surprises. Alors moi j'ai envie, le rallye des gazelles, c'est quelque chose qui est quand même maintenant très connu, hein, on va pas se le cacher. C'est un budget de combien de participation? Alors là, il nous faut un budget de 30 000 euros. 30 000 euros, alors ce qui veut dire que je Voilà. suppose que c'est aussi. Alors, c'est quoi? C'est l'achat d'une voiture ou c'est on vous prête une voiture? Comment ça se passe exactement? Alors nous, du coup, on va passer par un loueur officiel. Donc, il y a la location dans le prix qu'il nous faut dans les 30 000 euros. Donc, il y a l'inscription pour les deux coéquipières. Ouais. Ça comprend aussi, du coup, la location du 4x4 avec les assurances comprises spéciales rallye. Ça comprend ben, du coup tout le matériel parce que du coup comme on est sans GPS, il y a du et qu'on est que des femmes dans le désert pour des questions de sécurité, il y a du matériel de sécurité installé dans le véhicule pour être tracé. D'accord, mais Donc bon. dis-moi, Émilie, on te voit là comme ça, mais tu n'es pas une professionnelle des rallyes quand même. Du tout, du tout. On est novices toutes les deux et c'est un challenge qu'on s'est lancé avec ma cousine, ben, se dépasser et prouver que ben, du coup, on peut le faire.
Comment on se dit un jour en se réveillant le matin, tiens, je vais appeler ma cousine et on va faire ce rallye? Parce qu'il faut quand même savoir, je suppose, un petit peu piloter. Il y a aussi peut-être des gestes de premier secours à pouvoir donner à sa coéquipière si toutefois ça part en cacahuète. Si on est en panne, il faut changer une roue. Enfin, tout ça, ça peut être compliqué quand même. Comment ça se passe dans la tête? Alors, du coup, la petite histoire, c'est sur Bellegarde, il y avait des amis à une de mes cousines qui l'ont fait. Je les ai suivis et en fait, ça m'a motivée, ça m'a donné l'envie de me dépasser et de le faire. Après, c'est vrai que niveau mécanique, bon, je sais changer une roue de voiture, mais pas de 4x4. Donc ça, on va avoir une formation, voilà, dans le prix aussi, dans le budget que nous avons prévu. Nous avons une préparation à la navigation et à la conduite d'un 4x4, et on va avoir des cours aussi par rapport à la mécanique. Ça, c'est de l'aventure. Ça, c'est vraiment... tip top en termes d'émotion, ce que vous allez pouvoir vivre en tout cas. Mais pour le vivre, il faut le budget, et on l'a dit, il faut trouver les 30 000 euros. Je vois que sur la fiche, il y a un QR code. Est-ce que ce QR code nous amène, il sert à quoi? C'est pour... Alors, ce QR code-là, c'était pour la réservation de la paella, mais après, d'accord, on a créé un autre QR code avec Linktree qui permet d'accéder à notre dossier de sponsoring, à notre page Facebook, à notre page Instagram et notre cagnotte en ligne. Ben voilà, voilà, mais ça c'est bien parce que sur les gens qui nous regardent, eh ben effectivement, il peut y avoir des gens. Alors, tout est possible, ça veut dire quand on dit sponsor, alors bien sûr, si on a des gros sponsors, c'est beaucoup plus sympathique, mais on peut avoir monsieur, madame lambda qui se disent, tiens, je vais leur donner 50 euros ou 100 ou 20, c'est possible aussi. Tout à fait, c'est tout à fait possible. On ne force personne, voilà, chacun, même si vous voulez nous donner 10 euros, on prend 10 euros. Parce que, voilà, il n'y a pas de petite somme. On sait que c'est difficile pour tout le monde. Voilà, la conjoncture actuelle, même pour les entreprises, c'est pas facile. Donc, on prend et puis on cumule. Et on fait des événements à côté pour essayer d'avoir encore plus de budget. Bon, on l'a bien compris, la conjoncture, elle n'est pas facile, elle n'est pas non plus super difficile. Attention, hein, il ne faut pas s'alarmer, la vie continue quand même, et heureusement qu'elle continue, parce que les événements, ils doivent persister et continuer, surtout des événements culturels et qui touchent à la culture camarguaise. Et Dieu sait qu'on y tient. Alors, on a parlé bien sûr ferrade, taureau, parce qu'il faut marquer toutes ces bêtes-là. Alors là, alerte générale, les SOS animaux, là c'est compliqué parce qu'ils se disent, mais la bête, elle souffre ou pas? Alors, non. Parce que du coup, c'est sur le cuir. Ça s'arrête sur le cuir. Mais c'est important de le préciser parce que c'est vrai que lorsqu'on le voit à l'image, j'ai pu assister à des ferrades, j'ai pu les filmer. Alors c'est vrai que ça peut, lorsqu'on ne connaît pas, ça peut surprendre quand même un petit peu parce que c'est toute une ambiance. Il y a aussi une odeur, il y a aussi plein de choses. Alors bien sûr que c'est pas anodin quand même. Hein. Même si c'est sur le cuir, l'animal ressent quand même cet effet de chaleur. Il faut être lucide aussi. Hein. Oui, voilà. Mais après, c'est pas douloureux. Et puis, c'est pas des traditions. Après, ça permet de marquer, eux, de repérer leur bétail quand il est dans la Camargue, ou lors d'événements. Si les taureaux de plusieurs malades sont mélangés, ça permet aussi de reconnaître son bétail. Voilà, de les identifier. C'est l'événement qu'il ne faut pas manquer. Et là, c'est pour une bonne cause. C'est parce qu'il faut trouver et aller chercher les 30 000 euros pour rendre Émilie heureuse avec sa cousine, pour partir au Maroc dans un magnifique 4x4 et vivre certaines galères, parce que je suppose que ça ne va pas être facile. Histoire de, si les gens y veulent, parce que là, bien sûr, on a mis à l'écran l'affiche de l'événement parce que c'est le principal, avec le petit QR code pour réserver le repas, parce que ça, c'est super important. On va juste parler, juste tarification. Ça coûte combien pour... L'entrée de la ferrade, c'est gratuit. D'accord. C'est pas mal. Voilà. Là, par contre, au niveau de la paella, nous avons arrêté les réservations hier soir. Parce que du coup, nous sommes arrivés au max, complet. C'est génial. Voilà, c'est génial. Donc, par contre, il y aura des plans. On va rajouter des planches de charcuterie. Bon, c'est un nombre aussi limité parce que c'est notre premier événement. Donc,
Mais il y aura la buvette, donc, et puis on sera là, il y aura des surprises, donc venez, n'hésitez pas à venir passer un bon moment. C'est l'événement qu'on voulait vous partager, et puis vous pouvez toujours aider Émilie. Si les gens ils veulent t'aider, Émilie, qu'est-ce qu'il faut qu'ils tapent sur Internet pour faire un don, par exemple ? Alors, vous pouvez aller sur notre page Facebook Cousse Gazelle, ou sinon je vous donne le lien Linktree où il y a notre dossier sponsoring et l'accès directement à notre cagnotte pour faire le don sur Hello Assos. Donc c'est HTTPS Linktree Cousse Gazelle. D'accord. Eh ben moi, je te propose de nous l'envoyer par mail et puis on le mettra dans le descriptif de l'émission. Ça va être beaucoup plus simple. En tout cas, merci beaucoup, Émilie. Et on croise les doigts. Tu nous tiendras au courant, bien sûr, si tu as récolté la somme. Et puis, je vous rappelle, vous qui êtes devant votre écran, si vous voulez qu'on envoie une équipe de télé sur cette ferrade pour donner un petit coup de boost, il vous suffit de voter le chiffre 2 dans les commentaires. Et c'est maintenant qu'il vous faut voter. Salut, Émilie. Merci.